89 jeunes nouvelles recrues au sein de FARDC venus du territoire des Kwamout, dont la province du Maïndombé, ont été présentés ce mardi 27 décembre 2022 aux autorités politiques et militaires de la RDC au centre d'entraînement de Kibomango. Au nom du chef de l'État, Madame Nana Manouamina, ministre auprès du président de la République, a remercié ces jeunes qui ont choisi la voie de la raison, de servir la nation sous le drapeau, mais également les autorités coutumières qui ont convaincu ces jeunes de répondre à l'appel à la mobilisation générale lancée par les commandants suprêmes. Merci à Liboso, la bande de connions sont à congolais bafandikati na oisika. Na ba titre na bino na ba qualité na bino respectif pour na implication na bino nyonso. Na pesi bino merci. Na ndenge boyoki bela ya tata mokonzi ya mboka. Na félicité bino oboza mibali ya solo. Boza na souci ya bobondela mboka na bino pe ya komema kimia. Yango na remercie bino. Madame Manouamina a également appelé d'autres jeunes du territoire des Kwamout d'emboîter les pas au lieu d'être influencés par les ennemis de la paix, afin de perturber l'ordre public. Les messages de remerciement à ces jeunes déterminés à servir les pays ont été également adressés au cours de cette cérémonie par le vice-ministre de la Défense et celui de l'Intérieur. Le général Lombé, ancien commandant de la 21e région militaire à Kananga, a été entendu comme témoin par la haute cour militaire jeudi 22 décembre 2022 à la prison militaire d'Indolo. C'était dans l'affaire en charge du colonel Mambouini, le tété Jean de Dieu et consort, poursuivi pour assassinat des deux experts des Nations Unies commis le 12 mars 2017 au village Moyo Moussuila. Pour le général Lombé, le colonel Mambouini, alors officier de son état-major, avait pris des contacts avec Zaïda Catalan et Michael Chap sans l'en avoir informé. Cette façon d'agir est qualifiée de violation des consignes par le ministère public représenté par le colonel magistrat Mokuta Andondou. L'organe poursuivant a ajouté que le prévenu Mambouini a fourni des informations et même des munitions d'armes calibre 12 aux miliciens Kamuna Samp pour capturer et exécuter les experts de l'ONU. Le témoin, général Lombé, s'est souvenu d'une causerie morale au cours de laquelle il a eu à attirer l'attention de ses collaborateurs sur certains comportements de ses collaborateurs qui n'étaient pas dignes d'un officier de forces armées de la République démocratique du Congo. Il a fait allusion au prévenu Mambouini qui ne lui a pas présenté un rapport pour expliquer comment il est entré en contact avec les deux victimes précitées. La haute cour militaire présidée par le général de brigade Massoungi Mounakami va poursuivre l'instruction de la cause à la prochaine audience. Très heureux de vous savoir nombreux fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans votre magazine d'éco militaire, une production de services des communications et de l'information des forces armées dans sa tranche métier des armes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état des lieux, de l'enrôlement et de recrutement massif de jeunes congolais au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Je suis accompagné du lieutenant Dexter Nzunzi. Bienvenue et merveille. Bonjour mon lieutenant, bonjour aux téléspectateurs, aux merveilles. À ce sujet, chers téléspectateurs, nous avons porté notre choix sur le général-major Ekenge Bomoussa Efoumi Sylvain. Mon général, bonjour. Bonjour. Et merveilleux. Merveilleux à vous aussi et à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. À cette fin, je ne peux qu'aller très bien, c'est ça notre devoir. Nous allons faire un état de lieu sur tout ce qui s'est passé. Hein. Le chef de l'État, commandant suprême, a fait un appel aux jeunes qui veulent intégrer l'armée, et la population a vraiment accepté de venir répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. On en parle tout à l'heure avec les généraux. Mon général, vous êtes le commandant du service des communications et de formation des forces armées, mais également porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, dans l'entrée de jeu, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, depuis les trois novembre 2022, le président de la République a lancé la mobilisation générale et a appelé à cette occasion les jeunes Congolais à s'enrôler
massivement pour servir la patrie sous le drapeau. Mon général, comment appréciez-vous cet appel du commandant suprême et comment les jeunes ont-ils répondu à cette mobilisation? Le commandant suprême a joué son rôle de chef des armées. Il a également joué son rôle constitutionnel de susciter les jeunes au patriotisme. Et vous devez savoir, et les spectateurs aussi, que nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo, qui est notre patrimoine commun. Et ce patrimoine commun mérite d'être défendu. La population congolaise qui compose ce patrimoine commun mérite d'être protégée. Et cette mission incombe aux Congolais, pas aux étrangers. Et ces Congolais, ce sont ces jeunes que le président de la République appelle, que le président de la République mobilise, que le président de la République demande à s'enrôler massivement pour rejoindre les rangs des forces armées, pour servir la patrie sous les drapeaux. Et le commandant suprême n'a joué là que son rôle de responsable numéro un de la défense de l'intégrité de notre pays et de la protection des populations. Et je vous apprends, et vous le savez d'ailleurs, que les jeunes ont répondu très massivement à cet appel du commandant suprême à travers toutes les 26 provinces de notre pays. Combien de jeunes ont-ils entendu à l'issue de ce recrutement massif de l'armée? Bon, nous, on veut avoir autant de jeunes possible et ce sera, c'est pas le dernier recrutement qui sera fait. Ça, c'est un premier recrutement qui vise plus ou moins 30 à 40 000 jeunes pour cette première phase de recrutement. Voilà, je vais donner la parole à mon confrère Dexter Mzunzi. Merci beaucoup, cher confrère. Mon général, je vous ai bien suivi, vous venez de parler des 30 000 hommes. Mais cela n'arrive pas tous les jours ou chaque année. Je voulais savoir, mon général, quel est l'effet final recherché pour ces recrutements massifs? Le premier effet final recherché, c'est que nous devons rajeunir notre armée. Il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui sont trop vieux au sein de l'armée. Et ça, c'est le premier résultat attendu. Le deuxième, c'est constituer de nouvelles unités. Vous savez, notre armée, depuis un certain temps, est composée de régiments. Et des régiments de 800 et quelques hommes, et on a porté ça à 1800 et quelques. Et nous n'avons que quelques brigades de réaction rapide et une seule brigade de défense principale. Il faudrait qu'on puisse renouveler les unités et en créer des nouvelles. Et c'est ça l'objectif final, c'est ça l'état final recherché, c'est-à-dire rajeunir l'armée, créer des unités mieux entraînées, mieux formées et surtout mieux équipées. Ils doivent avoir leur caserne. C'est ça l'effet final recherché. Alors, en général, l'armée est le dernier rempart de la nation. Est-ce que nous pouvons savoir quels sont les critères qui sont définis pour recruter ces jeunes? Le premier critère, c'est le critère de nationalité. Il faut d'abord être congolais. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, il faut être jeune. Puisque un soldat, on ne peut pas recruter quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans pour devenir soldat. Et pour être qualifié de jeune, il faut se situer dans la tranche d'âge qui varie entre 18 ans révolus et 25 ans. L'autre condition exigée, c'est être célibataire sans enfant. Pourquoi célibataire, pourquoi sans enfant? Parce que c'est ce que veut notre statut, le statut du militaire congolais, le statut du militaire des FARDC dit que le soldat qui vient, après sa formation de base, va signer un contrat de 7 ans, renouvelable une seule fois. Et pendant les 7 premières années, il doit être totalement
consacré au service de la nation. Et il ne peut pas avoir des occupations en termes d'enfants, en termes d'épouse. Puisque lui, il doit consacrer ses 7 premières années au service de la patrie, sous les drapeaux. Et ce n'est qu'après les 7 ans, quand il va renouveler son engagement, qu'il pourra solliciter et obtenir l'autorisation de se marier et d'avoir des enfants. Là, il n'y a pas de problème. Et pendant les 14 premières années, là, s'il termine son deuxième mandat, si je peux appeler ça comme ça, c'est en principe, c'est un contrat, le deuxième contrat de 7 ans, il est libre de choisir l'armée, de faire carrière au sein de l'armée, ou de quitter l'armée. S'il veut, et rares sont ceux qui quittent parce qu'ils en ont pris goût, mais il doit continuer la retraite. Quand il a 22 ans de carrière, quand vous avez 22 ans de carrière, plus son âge, vous avez le temps qu'il fait dans l'armée. Ça, c'est un autre critère. L'autre critère, c'est que la recrue doit avoir un certain niveau. Il doit avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Il doit avoir un casier judiciaire vierge. C'est-à-dire qu'il n'est pas en conflit avec la loi. Il n'a pas été condamné par la justice. Et il doit avoir une bonne moralité. On ne recrute pas des colonnas, on ne recrute pas des voleurs, on ne recrute pas des violeurs. Il doit aussi être en accord avec la justice et aussi être un bon citoyen qui a un bon comportement. L'autre condition, ce sont des conditions physiques. Conditions physiques. Il faut être apte physiquement et mentalement. Merci beaucoup, mon général, lieutenant Jeff. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Mon général, les forces armées de la République démocratique du Congo disposent-elles des centres d'instruction, des infrastructures, des équipements, des instructeurs capables d'accueillir autant de recrues? La RDC a plusieurs centres d'instruction et d'entraînement, mais pour cette fois-ci, on va sélectionner 5 ou 6. C'est-à-dire les centres d'instruction et Kitona, les centres d'instruction et Kamina, et nous allons ajouter les centres d'instruction de l'Okando, de l'Okosa, de Moura. Et peut-être aussi, là, les autorités sont en train de voir Tumbagadio au Congo central. À cela, il faut ajouter Kamina, la partie force aérienne pour la force aérienne, et aussi les centres, il y a 3 centres pour la force navale. Il y a un centre qui est au Congo central, en bouchée du fleuve. Et puis il y a le centre d'Irebou où on forme les fusiliers ou le commando marin, et il y a un autre centre qui est à Kamina. Ça c'est pour les formations spécifiques de la force aérienne et de la force navale. Mais pour l'instant, nous retenons Kitona, Kamina, Lokando, Lokusa, Moura et peut-être aussi Tumbagadio au Congo central qui pourront être utilisés comme centre de formation. Les instructeurs, il y en a, mais c'est un grand défi, parce que la plupart des instructeurs ont vieilli, ou il y en a qui font fonction, mais on a décidé de rajeunir les corps d'instructeurs, et ça c'est un processus, mais pour l'instant on fait avec ce qu'on a. Par exemple, nous avons commencé par Kitona, on va enchaîner à Kamina et dans d'autres centres. À Kitona, qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé que toutes les écoles sont en congé. On a mobilisé tous les instructeurs du centre d'instruction et on a aussi mobilisé les formateurs des écoles. Il y a l'école d'artillerie, il y a l'école d'infanterie, il y a l'école des sous-officiers, il y a l'école de santé militaire, il y a l'école de maestrance, les écoles d'application de la marine ou bien de la force terrestre qui sont à Kitona. On a mobilisé tous ces instructeurs-là, en commençant par les premiers d'entre eux qui se trouvent être les commandants de la base militaire de Kitona, le général Ilunga Kapeta, qui est là. Et ils ont organisé des poules d'instruction avec un chef de poule qui coordonne chaque poule. Et ils ont procédé à la mise en condition, c'est-à-dire au recyclage de tous les instructeurs pour qu'ils puissent parler le même langage et s'occuper de la formation
des recrues. Ce qui est vrai aussi, et c'est ce qu'on a déploré par le passé, c'est que les instructeurs étaient clochardisés. Les instructeurs étaient les marginalisés, les laissés pour compte. Mais cette fois-ci, le commandant suprême a décidé que les instructeurs qui font passer tous les militaires de l'armée dans un moule, qui font d'eux les meilleurs, des défenseurs de la République, en tout cas que ces instructeurs ne manquent de rien. Oui, mon général, en parlant de centres d'instruction, vous venez largement de parler de Kitona ici. Je rappelle qu'il y a quelques jours, je crois deux semaines, vous étiez à Kitona, où le chef de l'État s'est rendu, je crois, pour la première fois, à l'occasion de la présentation des récrits à l'autorité suprême. Il y avait aussi la présence du chef d'État-major général qui s'est adressé également à ce récrit. Mon général, avant de suivre ces images et les adresses du chef de l'État et du chef d'État-major général, vous étiez sur place. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces deux adresses? Ce qu'il faut retenir, d'abord, le chef d'État-major général qui est arrivé 24 heures avant le chef de l'État a expliqué théoriquement ce que la nation attend de ces jeunes filles et garçons qui viennent servir la patrie sous les drapeaux. D'abord, la discipline. Et ensuite, les valeurs morales. On n'a pas besoin des voleurs, on n'a pas besoin des criminels dans l'armée, on a besoin des gens, des bons citoyens qui se comportent très bien vis-à-vis de la population et vis-à-vis de l'armée. On n'a pas besoin des peureux, on a besoin des gens qui viennent réellement défendre l'intégrité de notre territoire et protéger nos populations. Le chef de l'État, lorsqu'il est arrivé, il s'est adressé aux militaires des FARDC à travers l'échantillon représentatif de la place de Mwanda et aussi à travers les recrues. Oui, il est revenu d'abord sur l'essence du serment des militaires des forces armées, ne jamais trahir le Congo. C'est très significatif concernant, et il a demandé aux militaires d'appliquer, de mettre en pratique ce serment-là tout au long de leur carrière. Et il a dit aux militaires de se consacrer totalement à la défense de l'intégrité du territoire national, de se livrer à l'accomplissement de la mission attendue de l'armée, c'est-à-dire la défense de l'intégrité du territoire national, la protection des personnes et de leurs biens, et lui et son gouvernement s'occuper du reste. C'est-à-dire quoi? Ils vont s'occuper des conditions de travail des militaires. Vous voulez une armée équipée, une armée bien formée, ça c'est son travail. Les conditions de vie du militaire, les conditions sociales du militaire et de ses dépendants, ça c'est son travail, il va s'en occuper et nous, que nous fassions notre travail. Mais moi, il y avait une rumeur qui circulait, parce que j'étais avec vous à Kitona, que ces militaires n'étaient pas bien entretenus. Ah ben, vous avez vu vous-même, hein, et ce sont les militaires eux-mêmes qui parlent. Ils mangent trois fois par jour. Et la haute hiérarchie, la plus haute hiérarchie d'IPA a pris soin des deux instructions pour qu'on prédispositionne au moins 3 mois de vivres. Et au moins, je vous parle, nous sommes déjà à 4-5 mois de vivres entreposés. On a sans pour autant voilà. Arrêter le nombre exact de récrits qui sont à Kitona, c'est pas compliqué. Ça, ils sont à plus de 10 000. 10 200 et quelque chose. C'est toute une armée. C'est toute une. Oui. Mais avant eux, il y avait la division Camagnola avec 15 000 hommes. Pour ceux qui disent que je spécule pour dire que Kitona n'a pas de. Non. Kitona a déjà accueilli 15 000 hommes formés par les Nord-Coréens à l'époque. Entre 1974 et 1975, si ma mémoire est bonne, la division Campagnol a été formée par les Nord-Coréens, et c'était 15 000 hommes. Et cette fois-ci, nous sommes à un peu plus de 10 000, et les conditions
sont les meilleurs par rapport aux autres formations. Les recrues mangent trois fois par semaine, un petit déjeuner, le matin, ils mangent à midi et ils mangent le soir. Chacun d'eux a, pour ceux qui sont dans les bâtiments, un lit. Il y a les lits doubles là. Les lits doubles pour deux personnes. Chacun a un matelas, une couverture, un drap de lit. Chacun a deux gamelles pour manger. Deux gamelles. Et si on peut encore aller trop loin, il y a aussi pour se laver, chacun a un seau d'eau. On a donné du savon, de la dentifrice, brosse à dents à chacun. Même les nécessaires à coups, chacun a une tenue complète. Effectivement, les casques viennent de partir. Chacun a un groupe est logé dans chaque bâtiment et le corps d'hygiénie militaire est en train d'assainir les milieux, d'installer les latrines et aussi de combattre les érosions qui sont de Baki et Ville. Et en plus de cela, on est en train de faire le forage d'eau, puisque comme vous le savez, Quito a un problème d'eau, et il y a des forages qui ont sorti de l'eau, et tout le monde sera desservi. On a installé des citernes, et il y a aussi des camions citernes pour amener l'eau là où le réseau n'est pas. Et ces stations de forage qui sont en train d'être installées à Kitona, commencez d'abord à Kibomango, c'est pas seulement Kitona. Ça commence à Kibomango et ça va se poursuivre dans d'autres centres de formation qui vont accueillir les recrues. Oui. C'est les mêmes conditions qui sont à Kitona, seront copiées et dupliquées à Kamina et dans d'autres centres. Oui, moi j'ai parmi le défi dans la formation militaire. Aujourd'hui, c'est la précarité de la logistique, mais vous venez là de tout expliquer. Nous avons vu que ces conditions sont réunies, mais d'autres défient aussi les matériels didactiques non adaptés à la formation, aux exigences de l'environnement opérationnel et de l'ennemi. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour améliorer la situation? Je vous ai parlé des armes qui sont sur place. Je vous ai parlé des munitions d'exercice. Je vous ai parmi des balles réelles qui doivent permettre à ce que les conditions proches des opérations soient réunies au niveau du centre d'instruction, que la recrue sente l'odeur de la poudre, que la recrue sente les crépitements des armes et les explosions des obus et des bombes. Ça sera fait, tout est en place, il n'y a pas d'inquiétude à se faire là-dessus. Le recrutement actuel, est-ce que ça concerne notamment la force terrestre, parce qu'au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, nous avons trois forces, la force terrestre, la force aérienne et la force navale. On ne recrute pas que pour la force terrestre. Le chef d'état-major de la force aérienne, le chef d'état-major de la force navale ont déjà reçu des instructions pour qu'à leur niveau, ils puissent aussi recruter et mettre en œuvre leur centre d'instruction, puisque et la force aérienne et la force navale ont des centres d'instruction et des formations. En ce qui concerne la force aérienne, c'est à Kamina, et peut-être aussi à Kinshasa. À Kamina, ils ont une école de vol, hein, une école technique, et aussi ils doivent former les militaires qui doivent faire la défense des infrastructures aéroportuaires. La force navale, c'est la même chose, ils forment à la fois les commandos marins et aussi les responsables, les officiers, ainsi que les techniciens de la marine. On a récemment vu sortir une unité de fusiliers marins. Exactement. Alors, chaque force a reçu instruction de recruter et ils vont recruter. Alors, mon général, les gens se posent des questions parce que nous sommes, je vais dire, dans un temps de guerre. Alors, combien de temps ces recrues vont passer dans la formation? Effectivement, nous sommes sous pied de guerre, mais on ne peut pas former les recrues dans la précipitation pour les mettre comme des chairs à canon. Non, ils ne sont pas venus pour ça. On recrute, comme je l'ai dit, pour rajeunir l'armée et aussi pour créer de nouvelles unités. Et le processus de création des nouvelles unités et de rajeunissement prend du temps. Et nous allons prendre le temps que nous prenons pour former
les recrues et après la formation des bases, il y a d'autres formations, il y a aussi le TRG ou l'entraînement qui doit suivre et ça prend du temps. Bien sûr, moi j'en ai pour chuter, il y a certainement nombre de jeunes qui hésitent à se faire enrôler. Quel message leur adressez-vous ainsi qu'aux Congolais et Congolaises qui vous suivent à ces moments, disent le mot de la fin. Nous, Congolaises et Congolaises, de toujours avoir confiance aux forces armées, et puisque, et donc, cette armée-là comme dernier rempart, et les forces armées sont déterminées à sauvegarder l'intégrité du territoire national. Aux jeunes Congolaises et Congolais, je leur dis ceci, que l'appel du commandant suprême, ils doivent le percevoir comme un appel suprême aussi.